Jeudi matin, 9h16. Tac, avant que je mette le jeu, je vais mettre mon petit code d'entrée d'accès que vous ne voyez pas. Bah, c'est génial que déjà il fait jour. Du coup, tac, on va former le peuple. Let's go pour l'informer. Hop. Voilà. Contrôle C. Tac, du coup, hop, salut Seb, 2 secondes que je, hop, et Seb de Custron. Tac. On va voir qui fraîche, bien évidemment. Hop là. Donc, salut à toi. Pam, pam. Ça se prépare un petit live matinal. Il n'y a aucun écho, mon pote, ça vient peut-être de toi. Oui, ça vient de toi. Niveau écho, c'est peut-être toi. Donc, non, moi, bien évidemment. Bref, on va vous mettre le jeu, bien évidemment. Hop, on va dire. Mais j'ai dit ça, espèce de gnognol. Non. Bon. On est poli quand même. Hop, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Moi, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ce qui a été avancé, bien évidemment. Ça, ça a été fait en... Voilà. Ça a été fait en off. Bien évidemment. Et merci à toi, c'est de Cluch Cosdron. Un petit piscine, bien évidemment. Ça s'était fait en caméra, bien évidemment. Voici une nouveauté qui a été faite du président live. Voilà. Donc là, on va faire le ce qu'il y a là, bien évidemment. Je décore Reco pour voir si ça change. Ok, ok. Moi j'écoute pas mon retour donc voilà. Donc ça c'était fait aussi en off, bien évidemment. Il y a quoi d'autre qui a été fait en off, messieurs dames? Le petit conteneur. Le
petit conteneur, bien évidemment, le petit compost. Hop, on est 95, voilà, voilà. Pas les faire attendre. Ah oui, ça aussi c'était fait en off. C'est moi le dernier précieux temps, j'en ai mis pas globalement bien besoin. On va se faire une nouvelle pioche. Re. Du coup, tac, on va. Hop là. On va faire une toute nouvelle pioche. Il y a toujours de l'écho vu que j'ai redémarré, je suis en 4G. En même temps, je pense que ça vient pas de. Bon, attends, deux secondes. Je viens pas de. Bon, attends, deux secondes. Je crois que j'ai pas d'écho. Bon, attends, deux secondes. Je crois que j'ai pas d'écho. Bon, attends, deux secondes. Je crois. Attendez. Hop. Hop là. 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 Ouais, ça ne vient pas de moi l'écho. Donc voilà. Hop, du coup, tac. Et tac, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on allait faire? Hop, voilà. Tac, on va aller faire une nouvelle pioche, puisqu'on a besoin de pioche, bien évidemment. Ah oui, voilà, tac tac, et voilà. Bam, hop hop, on est en train de dans les profondeurs, on est en train de dans les profondeurs, messieurs dames. J'aime bien aller dans les profondeurs puisqu'on n'a pas trop, on n'a pas tout pris non plus. Pif paf pouf pif. Mais là aussi ça a été fait en off, hein, bien évidemment. Redstone, pas besoin pour le moment. Ah ben j'avais oublié un petit seau d'eau. Un seau d'eau c'est très important, messieurs dames. Very, very important. Parce que si je tombe dans la lave, je suis pas dans la, dans le caca, je suis pas dans la mouise. Hop, hop. Toujours avoir un peu de seau d'eau sur soi, c'est très important. Et vous aussi un peu de bouffe. On va prendre des carottes. Pour rappel, pour faire une petite visite des lieux, là, c'est ma salle de bandel, comme vous pouvez voir. Et l'étage, ce sera plus organisé.
C'est juste que dans le hall, c'est l'étage de verre et bordel, quoi. Big bordel. Voilà. Donc voilà. Tac, tac, tac. Hop. Toujours un peu de sono. Très important. Very important le sono. Si tu as besoin de glace pour faire ton chemin dans 2 heures, n'hésite pas, n'hésite pas, c'est moi qui ai le shop, 2 heures. C'est quoi ton pseudo in-game? Parce qu'il n'y en a que 3. Série, connu Minecraft. Non, j'ai pas vu. Non, parce que là où je suis. Merde, j'ai pas pris de charbon. C'est pas grave, on va aller chercher du charbon, je sais où on trouve. Je sais où aller pour le charbon. Ah oui, Seb de. Ouais, t'es pas en jeu, frérot. T'es pas 11h en tout cas. On va pouvoir faire des torches en direct. Avec moi sur place, au lieu d'aller en haut chercher patati patata. Désolé, mais je suis en train de conduire. Il me manque de mots. C'est pas grave. Coucou, Kev. Ça va et toi? Ce matin. Je dois toujours avoir un petit seau d'eau. Quand on part.
terminer, toujours un petit voir un petit soda au cas où. Bon courage avec le Covid. N'hésitez pas à vous follow, c'est complètement gratuit. Tentacule. Oh, du diamant. Pour le diamant, et c'est parti. Un achievement diamant. On va le mettre en sécurité, le diamant. On va le mettre en sécurité. Allez, à 100 follow, on va commencer une maison au spawn sous le thème de médiéval, bien évidemment. Enfin, d'abord, je termine ma maison et après, on va commencer tout doucement le spawn. Coucou la faucheuse. Salut, j'aime bien ton pack de texture, c'est quoi? Ah bah, je vais vous montrer. Voilà ce que c'est. C'est Soratex Fondevel. C'est celui-là que j'ai. Voilà, c'est celui-là que j'ai. Regardez, ce qui rend plus réaliste, c'est le diamant. J'adore mon. C'est l'un des packs que je kiffe le plus. C'est l'un des packs que j'adore. Donc je retrouve plus, c'est le. Avant j'avais, c'est le pur BDCraft. Mais je ne le retrouve plus. Voilà, j'arrive plus à le remettre. Le pur BDCraft. Donc celui-là, j'aime bien. Coucou. Yo, regardez, voici la petite avancée de ma maison. Je vois ce que ça donne. Ça donne comme ceci, comme cela. Un petit tour de ma maison, donc un petit point japonais en feuille. En bas, c'est ma salle de bordel.
Bien évidemment. Mon petit jardin avec une petite piscine. Là, je pense que ça va être ma petite salle à manger, je pense. Là, j'ai un petit balcon pour profiter. Là, je pense faire un bureau. Encore au-dessus, salle de bain et dernier étage, chambre, voilà. Un petit coin cosy. Et le toit, plat. Parce qu'après, il va falloir que j'aille fermer, tout ça. Parce que là, j'aime bien matricer le bordel, puisque voilà. Voilà ce que j'ai découvert tout à l'heure. Côté de le dans le commentaire si vous aimez ma maison. Il faut pas que j'oublie les échafaudages. C'est très important les échafaudages. Et ah oui, et là c'est ma petite. Et si, ah oui, je vais vous montrer. Pour éviter de gaspiller, pour éviter de jeter les déchets. Voilà. C'est un petit compost qui va vous donner des poudres d'os. Voilà. Puis un petit tonneau pour le fun. Parce qu'il me fallait un petit touche fun. Mais ça, on va le mettre en sécurité. Voilà. Et là, de ce côté-là, je pense faire une salle d'enchanteur, je pense. Parti pour mettre ça à chauffer, ça a chauffé aussi. L'avantage d'avoir une salle des bordels. Vu comme ça gagne, le système c'est que ça va là. Et boum. Boum. Et boum. Voilà le chemin. La salle des bordels. Bien évidemment, les fenêtres, ça, je le mettrai en off parce que c'est un peu chiant à faire, quoi. C'est pas top top pour vous. Regardez. Quoi, comment ça mettre les échafaudages ici? Peut-être qu'un de ces quatre, on ira peut-être dans le Nether. Pour chercher le sable des âmes et un autre truc pour faire un système d'ascenseur qui monte.
Et qui descend. C'est dans mon projet de faire un ascenseur. Un ascenseur qui monte genre ici. Il y a un ascenseur qui descend juste là. Pam. Un projet très ambitieux. On va faire une petite pause. Non musicali, et pas tout de suite.
Merci.
On est de retour. Non, je faisais autre chose, Seb. Je faisais complètement autre chose. Donc, pour information, ma chambre est au-dessus de la cuisine. Et comme j'ai muté mon micro, il est impossible de l'entendre. Entendre. De ce qui se passe en bas de chez moi. C'est impossible. Ah, oui, attends, hop. C'est impossible. On est trois. Mais de toute façon, c'est impossible d'entendre ce qui se passe en bas. Possible. Et quand je mets le micro, on n'entend que dalle. Oui, voilà, c'est la nature. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis basta. Voilà tout. Ce que je fais en off, ça ne regarde personne. Attendez 2 secondes. 3. Pam, du coup. Hop. Comme dirait l'autre, ça ne vous regarde pas. Voilà. Non, ça va, j'ai besoin de rien. Hein. Ça va. Non, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Surtout niveau bois, j'ai ce qu'il me faut à proximité. Ah oui, attends, je rentre dans ma salle de bain. Faut que j'entre dans le bordel. De toute façon, comme je vous ai dit, là, c'est comme si le bordel se fait arranger. Très drôle. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Bon dépannage de toi. Merde, attends, merde, mince. Voilà, je fais ma petite crotte. Voilà, je vais ramasser quand même ma petite crotte.
Oui, je sais que vous vous dites. Bah. En même temps, en IRL, c'est impossible d'entendre ce que je fais chez moi, donc voilà, c'est impossible. Tac, tac, on est 5, mine de rien, ça, c'est pas mal pour ce matin. Plutôt pas mal. Hop. Boum, on va augmenter de là aussi. Là, ce sera mon petit bureau, je pense. Sinon, ce sera sûrement la mairie de ma petite ville. Ici, ce sera ma petite usine, tu vois. Ah, mais attends, je crois que j'ai une idée, attends. Là, ce sera ma petite usine. Là, ce sera même mais peut-être celle de ma machine. Un petit coin de repos à l'extérieur. Nickel. Ouais, ce sera ma petite usine vu que là en dessous il y a ma petite grotte. Donc voilà. Il me faut du chêne parce que j'adore ce bois-là. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura le retour du modèle. Je vous rassure. Thanks pour la nuit, thanks, parce que j'avais pas vu que vous êtes nuit. J'avais mon champion qui voulait jouer avec moi, mais comme j'ai un peu mal au bidon. J'ai dû avaler quelque chose de tremblé hier, je pense. Bon, bah, allez, on va attaquer parce que ça m'énerve
Ils vont pas me casser les pieds, ceux-là. Ils vont pas me casser les pieds. Hop, du coup, tac. Oui, on va les abattre. Nya. Zombie, creeper, bestiole. Venez mourir. Aucun monstre a été maltraité. Toi, tu vas mourir, toi aussi. J'ai pas reçu d'invite. Ah si. Ah, ça me dit que n'est pas t'es pas en ligne. Voilà. Ah, merci pour l'ascenseur. Voilà, il me fallait juste ça pour l'ascenseur. Maintenant, comme tu es sympa, hop, voilà, je te laisse entrer. Viens, entre, n'aie pas peur, vas-y, t'inquiète pas. Voici ma petite usine. Là, ça va te mettre ça ici, et en haut, ça va te mettre ça là, bordel. Là, voilà. Mais bon, l'usine n'est pas tout à fait finie, finie. Mais c'est un petit début d'usine, puisque je viens de suivre moi. Tac. Voilà. On va visiter la base à W. Pourquoi pas W, mon ami W. Ouais, pourquoi pas. Enfin, Debo. Ouais, pourquoi pas Debo. Ou des dos, je ne sais pas. Donc alors, faut que je fasse cache. TP1. Oui, des beaux. Ah oui, des beaux, ok. Des beaux si tu peux accepter. Le Gboubout. Ah oui, ah, j'aime bien chez toi, j'aime bien. J'aime bien W des beaux. C'est cosy chez toi. Ah oui, quand même, on dirait un grand temple. Un big temple, tu sais. Attends, ça donne quoi sur le pack? On va enlever le pack et voir ce que ça donne. T'as le bout-bout. En fait, le bout-bout, dis-moi qui a gagné hier dans... qui sont les finalistes, parce que j'ai pas tout vu. Je me suis endormi. J'ai pas tout vu hier, chef. Je me suis endormi devant l'épreuve de... Comment il s'appelle? Sarah. Oh, il y a un tas de géants. Debout, t'as un tas de géants. Ted. Oui, dans Top Chef hier. Les finalistes de Top Chef. Ouais, il y a Ted. Oui, parce que je me suis endormi devant Top Chef hier, j'ai pas tout vu. Je sais pas qui sont les finalistes.
Parce que je sais que ça, elle a eu un point hier. Oula. Oui, t'es bien posé, Debo. Attends, top chef, parce que je me suis endormi comme un couillon. Bon, au pire des cas, c'est pas grave, je regarde en rediff tout à l'heure. Oh, un tracteur. J'ai trouvé la voiture d'Harry Potter, mesdames, messieurs. J'ai trouvé la voiture d'Harry Potter. Mais c'est vachement bien cosy, quoi. Ah oui, je peux pas. Je peux pas ouvrir. Je peux pas visiter. Ah merci Déborah. Déborah. Merci Déborah. Ah oui, ça c'est beaucoup. Ça me permet de visiter vu que je peux rien casser de toute manière. Donc voilà. On va remettre le pack parce que j'étais mieux avec. C'est beaucoup plus joli avec. Oh, c'est joli. Oui, bah moi aussi j'ai une mine, tu vois. Oui, je sais qu'elle a pété un plomb. Oui, ça, je l'ai vu, ça. Et je sais que Paul Perret voulait plus coacher Sarah à cause de ça, même. Ça, je l'ai vu, cet épisode-là. Mais je ne sais pas si elle a fini par gagner la demi-finale ou pas. Ah, ok. Bon, ben, plus que regarder en rediff. Sinon, qu'est-ce que tu en penses du thème imposé par Sarah, justement, avec les agrumes, un truc que je ne sais plus trop quoi, des oursins. Et c'était quoi déjà le quatrième? Alors, je sais plus ce que c'était le quatrième. Le thème imposé par Sarah. Allez, du prenne. Oh, merci pour le petit. Hop, merci. Merci, des bons. Ah, mais c'est vachement génial, quoi. Là, il y a des zombies ici, je les entends. Désolé pour vos oreilles. Oh, des PM. On va pas abattre les zombies non plus pour faire des zombies. C'est magnifique. Là, il manque un truc, Debo. Je ne sais pas ce qu'ils vont là. Là, c'est des donjons. Désolé si ça va faire un peu. Oh, j'aime bien, c'est magnifique. Ah, t'as fait à peu près le même système. Comment des bons? Comment j'avais fait ce système-là pour le minerai?
Ok, donc il y a un coucou à madame et à Jack aussi. Jackie. Oui, pour que tu t'en occupes. Un coucou à Jack, oui, et puis à madame. Pour info, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Boutbout, c'est un ami à moi que. Oh, des tortelles. Tortue ninja, tortue ninja. 1, 2, 3, 4. Belle tortue. Oui, je disais, c'est parce que Boutbout, je connais depuis un serveur. Et voilà, c'est ça que je veux faire, Yann. Ah, ça bug. Problème, Devo. Je peux pas aller plus haut. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie de faire. Ouais, un petit jardin cousu. On voit plus rien. Attends, hop, on va se mettre là pour mieux voir. Oui. Bah ici, j'aime bien. Il manque juste. Regarde. Sur un serveur, ce que j'avais fait pour cet endroit-là, j'ai fait, tu sais, c'est mettre un petit. Une ruche, tu vois, pour avoir du miel. J'avais mis une ruche abeille. Oui, c'est un vrai labyrinthe, ce bidule. Ah, t'es là, des beaux. J'aime bien. Yeah. C'est un vrai labyrinthe, ton bidule. Faut pas se payer, un drap, c'est moi qui te le dis. Nya, nya. T'es où? Je te vois plus. T'es où, Debo? Ah, t'es là. Ça me fait penser dans les Pokémon, justement. Je peux pas aller plus haut. Ah, si, faut que je fasse ça. Ah oui, t'as là aussi, d'accord. C'est cosy chez toi. Quelle belle vue. C'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est cosy. Les casse-pieds sont là. Oh purée. Ah désolé Devo, j'ai cru que c'était un zombie. Désolé. Désolé Devo. J'ai tué un petit perroquet. Désolé. Devo, désolé si j'ai tué un perroquet. Je suis d'un vrai. Tu m'en veux pas, Debo? T'inquiète, je te rembourse. Ah putain, mais en plus, je prends ça. Ah purée. Debo, tu peux aller à ma maison pour me récup pour me pour ma pour ma pour mon stuff, s'il te plaît, Debo? Bah attends, pire des cas, t'en bouge pas. D'abord, j'arrive. Pour récupérer mon stuff, quand même. Bah justement, accepte mon TP pour que je le récup. Merci, Debo. Voilà. Attention derrière toi! Je l'avais dit, je l'avais dit. Je l'avais dit, Debo.
Derrière toi. Tête de vache. Du coup. Tac. Là, je l'ai vu, t'inquiète. Au moins, là, pour pas faire la même connerie. Oula. Désolé pour les oreilles, messieurs, dames. Ah, ça, on dirait la maison de Fufu, tu vois, ça. Ce système-là. J'en connais une qui adore Furious. Je connais un ou une qui adore Fufu. Par contre, là, tu manques un petit bloc, Debo. Tu manques un petit bloc, là. On dirait la maison de Fufu, sinon, j'aime bien. Dans Celestia. Ah bah lui attends. Hop. Voilà, je t'ai offert un petit badge Debo sur le live. Avec le calque sur beau gosse ou belle gosse. Quand tu écriras, quand tu vas écrire, tu seras mis en avant, bien évidemment. Mais c'est cool, en tout cas, j'aime bien de beau. Message. J'arrive, attends 2 secondes. Voilà. T'es où de beau? Ah, t'es là. Je t'avais pas envie, malgré mon radar. Bip, bip. Là, t'as regardé Koh Lanta, toi, Debo. J'adore Koh Lanta d'ailleurs, demain soir, Koh Lanta. Ouh, un golem. Ah, il est mieux comme ça, le golem. Monsieur le golem, je ne vous veux pas de mal. Ah yo, toutes les têtes que tu as? Ah oui, quand même. Celle des trophées. Ah oui, quand même. Ah, ça n'a encore par là. Ouh, c'est génial ici. J'aime bien. C'est posé chez toi. Il manque un lit pour faire un lit double pour monsieur, tu vois. Pour ton homme, un lit double. Enfin, oui, bon, ok, je sais, j'ai l'esprit mal placé. Ok. J'exprime ma pression. Mais bon, c'est ta vie personnelle, tu fais ce que tu veux, hein, de bon. Comment chez moi, actuellement, j'ai un champion. Enfin, mon chéri joue pas, donc il le lit. Donc pas de lit. Ah, ok. Ah bah oui. Oh, de toute façon, je suis pas là pour dragouiller, donc voilà, je suis là pour m'amuser sans prise de tête. Ah, mais non, je vais pas mourir, moi. Je vais pas mourir, moi, je vais pas sauter, si. Je vais pas mourir. Bon, ben. Mes 95 followers, je vous aime. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est t'es où, Debo? Ah, c'est bon, je te vois, attends. Je te vois sur mon radar, attends. Par contre, il y a des lieux qui sont pas éclairés, donc je te vois plus. T'es où? Ah, t'es là. Je te vois sur mon radar, mais une game où je te vois pas. Je vois pas ton skin. Ah oui, d'accord, donc il y a le Nether et l'End. J'ai pas envie de perdre mon stuff, moi.
Je suis dans toi, c'est un peu con. Ah, je veux pas perdre mon stuff, mon débo. Sûrement, je vais pas perdre mon stuff ici. Désolé si c'est un peu sombre, messieurs, dames. Que je ne suis pas venu ici pour mourir. On va peut-être attendre après un débo. Parce que je veux pas perdre mon stuff, moi, c'est mort. Ta tête baisse toujours. Ah, baisser toujours la tête. Ok. Oui, pour les Undermen. Pour les oreilles. Lire quoi? Quoi lui? Un truc à lire, tu veux? Pas lire quoi? Attends, j'ai pas vu. Pour le chat, ouais. Comme un Enderman pour préparer ses armures, quoi, tu vois, recommandage. Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'était un XP. Par contre, il y a moyen de le désactiver le bidule. Que je puisse remonter un peu le son. Ah, c'est bon. C'est bon. Je ferme pour me faire un peu d'XP, tu vois. Au niveau 10, ça devrait largement aller. Bon bah du coup je monte en 200 balles du coup. Comment je vais pas perdre mon stuff moi. Moi je refuse catégoriquement de perdre mon stuff. Ah, mystère. Que je veux pas mourir moi. Comment on sort de là des bons? Ok, par contre j'aimerais bien sortir de là ça. Attends, je crois que j'ai une idée. Alors on va tester un truc que des bons. Justement c'est ce qu'on va aller tester. Ah c'est bon. Hop, on va remettre un peu, on va remettre le son du coup. Ah voilà, et on va aller dormir. Tac, hop, j'ai un petit mal de bidon, c'est pas un problème. Comme à toi, j'ai eu un tour. Welcome, welcome, frérot. What's up? Ah, ça me chatouille un peu, Julien. J'ai envie de vous dire. 10h31 ce matin. Comme t'es un ami à moi, t'as un petit badge auquel que tu seras beau gosse ou belle gosse.
plein. Un petit badge auquel tu seras beau gosse ou belle gosse. Tu ne perds pas ton stuff. Oui, je sais, t'inquiète pas. J'ai fait un home chez moi, donc voilà. Sans oublier. Hop, au revoir, au revoir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir si c'est tard. On va aller faire le truc là. Tu meurs là-bas, tu ne perds rien. Ok. De toute façon, on va pas. Là, on va terminer ma maison. Puis chercher un endroit pour au spawn. Faire un truc médiéval, bien évidemment. Donc, comme ce sera le thème médiéval, on va mettre un pack de textures adéquates. Et on va mettre un pack médiévalisé. Médiéval. Pour que ce soit cohérent avec le thème du spawn. Parce que le spawn, si je ne me trompe pas, c'est médiéval. Donc pour que ce soit bien cohérent avec le spawn, je vais voir si j'ai pas un pack de type médiéval. Nia. Ça va que je suis mort là-bas. Pam. Pam, pam, pam. Puf. Pium, pium. Et en ce moment, Julien, sur Ronjuno, c'est calme. Ça va et toi? T'as vu, je t'ai mis un petit badge avec lequel que tu seras beau gosse. Toute façon, tant que c'est calme sur Ronjulinos, tant qu'il n'y a rien à faire, je me connecte pas sur Ronjulino. Clairement. Je suis à AFK, je vais travailler. Ok. Parce que regarde, en soi sur Angelino, que veux-tu faire? Moi en tant que taxi, que veux-tu que je fasse si j'ai aucun client, à part des missions PNJ, tu vois. J'ai rien à faire à part les missions PNJ. Alors peut-être que plus tard, si les taxis fonctionnent bien, hein, j'ai pas mal de monde, je vais voir un truc avec, avec le staff. Oui, voilà. Parce que moi, si ça fonctionne bien, niveau taxi, d'un point de vue taxi, ce que je veux voir avec le staff, s'ils sont d'accord, c'est de me mettre le transport de bus aussi, tu vois. Voir le transport de bus. Que vivement que la V4 ouvre, quoi, sans déconner, ce serait cool. Que quand il n'y a personne, t'as aucune interaction. Certes, je peux comprendre qu'il y en a qui ont couru tout ça, je peux très bien le comprendre, tu vois.
Et moi, si je viens plus, c'est par rapport à ça, quoi, il n'y a personne. Ah, ah bon, pourquoi? Donc ça se fait que t'as pété un câble? Ah oui, parce qu'il n'y a personne. Regarde, si elle avait 4, il n'y a toujours personne, je suis prêt à quitter définitivement Angelino. Moi, actuellement, je suis sur un serveur où on tourne 50 joueurs. L'autre jour, on est monté jusqu'à 60. Entre 60 et 70. Pour le dire, et sur le serveur auquel que je suis EMS. Et toutes les demi-heures environ, je gagne. Allez, sans te mentir, 300 balles. J'ai gagné 300 balles. Évidemment, c'est un serveur au type whitelisté, quoi. Et que le staff, je le connais. Enfin, les fondateurs, je les connais. De toute façon, quand même, sur faisant des conneries qu'on apprend, j'ai envie de te dire. Regarde, moi, sur un serveur comme ça, j'avais fait une connerie. Tu vois? Mais mon mute. Mis en mode aventure. J'avais quitté puisque voilà, ils comprennent pas que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. À mon avis, ce sont peut-être des gens qui n'acceptent pas les erreurs des autres. Pense que tout est parfait, ils veulent que ce soit parfait, tu vois. Regarde, ce aurait été mon serveur. Tu serais joueur comme les autres, tu vois, tu m'aurais fait, ben voilà, je repostule, car patati, patata, j'aurais dit, pourquoi? Tu vois, tu m'aurais dit, car j'ai appris de mes erreurs. J'ai dit, je te dirais, bon, je vais essayer de négocier avec les autres staff. Si les autres staff sont d'accord, hop, je laisse une chance, tu vois. Disons, ben voilà. Moi, je pense qu'ils veulent pas te laisser une chance, je pense. Parce qu'on gagne 6, si gagne si elle avait 4. Je te le dis. C'est à la V4. Il n'y a rien qui ne se passe comme prévu, comme tout le monde le veut, de mon point de vue, hein, bien évidemment. S'il n'y a rien qui bouge, je quitte et je t'envoie le lien du Discord d'un serveur où je suis. Parce que tu verras, ils sont super sympas, le staff de là où je suis. Ils sont super sympas. Super génial. Oh là 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 là, rien à dire. Rien à dire en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Rien à dire. Puisque le staff, ils sont à l'écoute des joueurs, tu peux les parler. T'as un souci, ils sont réactifs et tout ça, tu vois. C'est ça qui est génial du serveur auquel je suis. Ah, si tu veux, Julien, après je te l'envoie en MP, si tu veux, le lien Discord. Sur le serveur auquel que je suis bien. Et malheureusement, les policiers ne recrutent plus, donc bref. Mais par contre, il y a whitelist, donc il y a une double whitelist, un whitelist oral. Oui, voilà, le serveur où je suis, c'est top. J'aime bien ce serveur-là. La preuve, je m'entends bien avec tout le monde. D'ailleurs, comme je disais, Debo, comme je disais à Fafa, mais lui, il a... Oui, mais dis donc, Julien n'a pas. Oui, mais on parle de GTA RP, justement. On parle de GTA RP. On parle de GTA, moi et Julien.
C'est pas tout à fait le même. On parle de GTA. Ouais, je t'enverrai le lien de GTA, Julien. On parle de GTA. Donc ouais, ce serveur-là, il est tip-top, quoi. Rien sans te mentir, Fafa, ce que je disais... Fafa. Ouais, je disais à Fafa que s'il y a besoin de... Moi, je suis prêt à être animateur sur le serveur, tu vois. Il m'a dit, mot pour mot, on verra bien. Il m'a dit Fafa. Que j'ai déjà fait des serveurs Minecraft en animateur, tu vois. Mais il m'a dit qu'on verra bien, qu'il m'a dit. Donc voilà. Il m'a dit pas pour le moment, on verra. Oui, voilà. Même le grade de streamer, tu vois. D'ailleurs, je pense que je serai l'un des premiers à l'avoir, ce grade-là. Donc, une, deux, trois, quatre. Deux, trois, oui, voilà, de toute façon, je suis pas pressé. De toute façon, j'aime jouer sans prise de tête. Parce que moi, je vais dire honnêtement, staff ou pas, pour moi, je vais vous dire une chose. Un staff, pour moi, c'est un joueur. C'est un joueur. Voilà, moi, je considère comme un joueur, moi, le staff. Oui, voilà. Magan, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Debo, parce que pour moi, hein, je donne juste mon avis personnel, que pour moi, un staff reste un joueur. Du coup, au début, notre staff, c'est un joueur, tu vois. Merde. Mais non, espèce de gnognol. Oui, voilà. Et après, c'est aux autres membres du staff de décider, tu vois, qu'ils prennent pas, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils vont prendre des gamins, tu vois. Oh, mais c'est joli quand même, ça. Tac, 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 voilà, hop. Et dis-toi que chez toi, c'est par là, Déborah. Et t'inquiète, on va mettre en menu pause, bien évidemment. Oui, voilà. Et je peux même vous dire que vous êtes 5. Pour que je puisse, moi, enlever. Oui, vous êtes 5 à regarder le stream. Je le vois sur mon retour. Je peux même vous dire. Ça, je ne sais pas te dire. Je sais qu'il y a toi, mais je sais pas. Je sais pas qui d'autre y regarde. Parce que je sais que des fois, il y a le renard qui regarde. Après, j'en sais rien du tout. Après, je sais pas. Et Julien Tourroche, je le connais depuis un serveur RP. Ouais, Coco est parti au boulot, lui. Fafa, je ne sais pas.
Donc ici, ce sera sûrement mon petit bureau, je pense. Alors, récapitulatif. Ici, de façon ici, ce sera ma petite usine. Ta bouffe et tout ça. Ouais, je sais pas. Ici, ça va être l'avant-dernier étage. Puisque ici, ce sera ma petite usine à bouffe. Parce que regardez, non, c'est pas de sens là. Faut pas que je tombe non plus. Faut pas abuser des bonnes choses. Ouais, voilà, ici, c'est ma petite. Là, c'est pour ma bouffe et tout ça. Merde, aïe. Même pas mal. En même temps, vu la hauteur. Je vais trouver, c'est peut-être un pack de texture type médiéval. Pour que ce soit cohérent avec le spawn. Parce que le spawn, je rappelle que c'est médiéval. Si je me trompe pas, bien évidemment. Est-ce qu'on a piqué mon idée de château? En fait, je voulais faire au spawn, c'est un château de 26 fois 26. Ah, oui, attends, juste avant, on va faire un truc, attends. Je te l'envoie en MP le lien. Contrôle C. Ah mais, ouais, mais le mieux c'est de respecter le thème. Le spawn c'est médiéval, mais tu fais ce que tu veux. Mais non, mais je parle du spawn, mais hors spawn, je fais la YOLO, tu vois. Niveau spawn. Niveau spawn, j'ai dit quoi. Là où je suis, là où je fais du YOLO, tu vois, Déborah. Je fais la YOLO. Moi, je fais YOLO. Ah bah oui, du coup, comme c'est autorisé la minimap.
Voilà. Non. Voilà, comme ça, hop. Du coup, on va aller dans le combat. Parce que quand je suis joueur confirmé, j'appelle ça comme ça. Quand je suis joueur, comme tu disais, Deborah, c'est que là, comme ici, ce serait ma petite usine à bouffe, tu vois. Pour transférer au spawn, boum. Ici, ce sera comme un petit dépôt. Comme ça, les nouveaux joueurs, boum, hop, ils pourront se servir. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps que je pourrais être joueur confirmé. Que je pourrais être joueur fidèle. Voilà en mine. Du coup, hop. Oh, de toute façon, je suis toujours poli, je m'intègre vite, de toute façon. La preuve où je dis bonjour, patati, patata. Enfin, je me rappelle d'une phrase. Je me rappelle, c'était quand? Ouais, hier. Une fille de 9 ans. Jouer à un GTA RP. Et j'ai clairement dit, mot pour mot, à sa mère, que ta fille, elle joue bien RP. Elle a dit, tu vois, Potter, il est sympa. Oui, 9 ans, elle joue à GTA RP. Oui. Sur le serveur que je t'ai envoyé, Julien, oui. Le fondateur et la fondatrice ont une fille de 9 ans qui, que hier, elle a pas joué, vraiment joué, mais j'ai clairement dit qu'elle jouait bien son RP. Et elle a dit, ben tu vois, hop, toi tu vas dégager. Va et toi, Debo? Ah oui, je pensais que tu me parlais. Lui, j'ai pas vu. Voilà, non. Enfin, tu travailles dans quoi tout en fait, debout? Je l'ai pas demandé. Même si je sais que ça se demande pas. À moi, c'est pas compliqué, je ne bosse pas. Donc voilà, j'ai le plus beau job. Chaud. Meurs. Dis-co, est-ce que j'ai de quoi de bouffer moi dans cette histoire? Non, j'ai rien à bouffer. J'ai clairement dit qu'elle jouait bien sur Yarpal, elle m'a dit que tu vois, Potter il est sympa. Et merde, je suis mort. Tant pis, pas grave. Ah, c'est pas trop dur avec le Covid? Pas chaud avec le Covid. Pas compliqué. Je travaille avec le Covid. Ah justement, j'ai un truc pour toi, Julien. Tant pis si je vais faire. De toute façon, le stream, voilà, je vais couper au montage. Juste dédicace pour Julien.
Julien, c'est pour toi, écoute. Pas deux secondes. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais mes pieds, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs de taux, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, okay, quand ouais, on bon. A besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, ta pensée, j'ai ma tactique, attendez, que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur règlement. Alors j'espère que t'as aimé la petite surprise, Julien. De toute façon, si y a un droit d'auteur là-dedans, ça va être cool. La musique va... Bah, en fait, c'est tellement ça. Leur tactique. Et oui, du coup, ça, on va le mettre. Hein. Magma ici. Table des hommes, là. On va mettre menu poste pour que je puisse l'enlever, pour que vous ne voyez pas là où je suis exactement. Enfin, les coordonnées, bien sûr. Voilà.
C'est une petite dédicace aux forces de l'ordre, surtout avec le Covid. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour terminer ce petit live matinal? Alors, on va aller couper du boix pour faire 5. A savoir qu'ici, il ne comptera pas. On va aller du coup. Pam, 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 dodo. Celle-là, on va... Oui, mais non, ça ne va pas ici. Tant pis. Là, voilà. Du coup, là, ça va être cut, donc on va le cutter. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, ça va être cuté. Aussi. Du coup, pouf, pouf, puf, puisque, pof, pof, pam, pam, pam. On va encore continuer à monter. Parce qu'en fait, ça va descendre là. Ça va faire ascenseur là. Et ascenseur là aussi. Est-ce que j'ai des échafaudages, oui ou non? Oui, j'ai, c'est bon, c'est nickel. 2, 3, 4. Là, on va laisser le petit creux aussi ici. Là, on va mettre aussi. Là, on peut faire 4. 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Tac, hop. Tac. Tac, on va monter là aussi. Tac, voilà. Redébout. Tac, tac, tac. Donc là, c'est normal. C'est la même. La toute dernière étage. Si, c'est la dernière étage. Ici, c'est dernière étage. Donc là, on va couper du bois de chêne pour pouvoir mettre jusque-là. De là. Alors, et pareil. Comme ça, on pourra finir de combler. On va prévoir les échafaudages. Un de plus.
Voilà. Tac. Tac. Mais parce que moi, en fait, le Deborah, j'aime bien faire dans le thème. Enfin, le spawn, j'aime bien le faire dans le thème, tu vois. C'est le thème du spawn, c'est médiéval. C'est médiéval. Mais s'il n'y a pas de thème, je m'en fous, je vais regarder là. À YOLO. Et je sais que vous allez me dire, il manque des vitres, c'est pas un souci. Ce n'est pas un problème pour les vitres. Tac. Nia. Tac, du coup, pam. Est-ce qu'on va faire le toit plat? Ah purée, j'aime pas ce type d'arbre comme ça, j'aime pas cet arbre comme ça. J'aime bien le bois de chêne, mais les arbres de cette façon-là, j'aime pas. Ça me casse les bonbons pour être poli. Moi, je suis quelqu'un de très poli au dévorant. Toujours poli. Toute façon, on va s'arrêter bientôt, donc on va bientôt s'arrêter. Et il y aura du off, bien évidemment, comme d'habitude. Parce qu'on va pas tout le temps faire que du live, 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 live. Parce que voilà, au bout d'un moment, c'est bien. Au bout d'un moment, faut avancer en off aussi. Tac, tac. Et dès que je pourrai construire au spawn, c'est-à-dire quand je dis construire, c'est écrotte. Tant pis. Quand je dis construire, c'est faire un petit shop. J'ai déjà l'idée du shop en tête. J'ai l'idée en tête niveau shop. Ouais, je vais pas vous le dire non plus. Sinon, c'est pas rigolo si je vous le dis. Si je vous le dis, c'est pas rigolo. Ah, je peux pas construire de shop au spawn. Ah, tant pis. Mais non, mais quand je dis de shop, c'est ici. Pas au spawn. Je me suis gouré. Oui, voilà ce que je voulais dire. Merci de me reprendre, Déborah. Merci, Débo. Je me suis gouré. J'ai parlé trop vite. Dans la zone commerciale, je serais déjà. Comment, je serais quoi construire, donc voilà. Je me suis planté. Ah non, pas encore. La zone. Bah non, je peux pas, vu que. Voilà. Bah, attends, je vais voir. On va aller le voir d'ailleurs. Slash. Je présume qu'il est au spawn. La zone commerciale, il est par là, non? Enfin, il est par où la zone commerciale? Mais tu peux me guider entre nord, est, ouest ou sud. Ah, il est où? La zone commerce. Je sais même pas où il est la zone commerciale. C'est où? Puisqu'il est la zone commerce. Ça va être quoi ici? Ah oui, je me suis spoil. Tant pis, dernière vue. C'est où Debo? La zone commerce? C'est le seul lieu que je n'ai pas vu, la zone commerciale. Donc t'es slash TP. Ah tiens, attends, je vais me TP à toi.
Ah, c'est ça la zone commerciale. Bah, comment veux-tu qu'on y va du coup? Je te suis des beaux. Bah, attends. Ah, d'accord, bon. Donc, du coup, comment on y accède? Et comment on fait pour créer une zone commerciale? Zone commerciale. Comment on fait pour en créer un, justement? D'accord, je sais pas. D'accord. Alors, en fait, c'est comme c'est comme un marché, quoi, en fait. C'est la place des marchés. J'appelle ça la place des marchés. Ah oui, d'accord. Mais pour que je puisse m'en créer un, il faut que... Ah. Ici, c'est... Ouais. C'est joli la place... Oh putain! Zombie. Quand on en parle, il y a eu du zombie. Voilà, merci. C'est pas idiot. Moi, du coup, je pense. Attention derrière toi, Déborah. Derrière toi. Là, tu prends feu. T'inquiète, j'ai de l'eau. Je fais que je t'arrose peut-être. Attends, je vais t'arroser. Voilà, je t'ai arrosé. Mais c'est magnifique. Derrière toi, des mots. Attention. Ah, tu prends feu. Attends, je vais peut-être t'arranger. Non, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais ils vont peut-être pas. J'espère que les creepers ne vont pas faire le tour. Sois derrière toi, creeper. Là, t'as pris cher. T'as pris véritablement cher. 2 heures de live, messieurs, dames. Les clients. Merde. Ah oui, c'est vrai, je peux pas prendre des heures. Je commande un animal, je vais pas. Ah oui, c'est vrai, je suis pas joueur à titre, je peux pas manger. Je peux rien faire, c'est moi aussi. Je suis pas joueur à titre. Oh Nemo! C'est génial, j'aime bien. Mais franchement, des bons goûts par ici. Moi, poum, 1, 2, 3. Moi, un truc que je ferais comme ça, attends. Hop, attends, on va manger du coup. Hop, voilà. Ton micro, pas possible. C'est pas possible là.
Là, là c'est mieux. Là, c'est mieux au niveau. Et là, est-ce que c'est beaucoup mieux au niveau micro? On dirait un robot. Ah, attends deux secondes. Il y a mes écouteurs. Hein. Avec écho. Deux secondes, attends. Alors, on va écouter mon retour. Chaîne. Deux, trois, deux. Deux, trois, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, 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 trois, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, deux, trois, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, trois, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, trois, deux. Tu m'entends mieux de vous? Test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, tout le monde en mieux là. Deux secondes. Comment je fais pour vérifier ça? On va vérifier ça en direct, messieurs, dames. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ah mais t'inquiète, je mets mon retour en route, attends deux secondes. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. C'est sur mon chat, je peux mettre sur mon live, je peux mettre le son du jeu. Testouille. C'est mieux. Alors au pire des cas, relance le stream, Debo. Que j'ai hâte de m'écouter et de mon côté, c'est nickel. Essaye de relancer de ton côté. Tu vois, de mon côté, c'est nickel. Quand il y a un écho, il faut pas hésiter de relancer. Faut pas du tout hésiter. Du coup, qu'est-ce que j'allais faire moi pour terminer? Parce qu'on va, je vais pas tarder à aller manger quand même, faut pas oublier des bonnes choses. Ah lui, attends deux secondes. Ah lui, on va terminer ça, c'est vrai. Du coup. Pim bam boum pum, comme ça, ça va être rebouché. Là, pareil au même. Nat, j'y vais manger. Bon appétit, Julien. Bon appétit, poteau. Ah, la tactique du gendarme. Sûr que tu l'auras en tête, poteau.
Ah, tu savais qu'on va le mettre sur le balcon? Comme ça, on fait des économies. Voilà, comme ça, on fait des économies. Trop d'économies même. Voilà. Voilà. On va aller chercher des... Tac. À crotte de bique, c'est pas bon. On va aller en mine. On va aller miner. C'est parti pour miner. Let's go. Donc, du coup, là, ça va être ma salle du gouffre. Donc, là, ça va être ma salle. Pas de chance. Une. Donc après j'ai creusé de 1 d'ici. Ah crotte. Désolé pour le freeze. Attendez 2 secondes. J'ai le soleil en pleine face. Pour une fois que dans le nord il y a du soleil qui tâche pas. On se détend aussi en passage. Là, on va faire la salle d'enchante. Pour terre. Mi. Et ouais, pour miner. Alors, ici on avait fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Ouais, je l'ai pas compté. Ça c'est dès l'entrée de jeu du coup. Dès l'entrée du coup. Ouais. Oh, t'as déconnecté sans dire au revoir, toi. Pas poli, enfin voyons. 2. Donc pam, pam. Donc 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 9. Cet après-midi, je ne sais pas. 9 sur 7. Je ne sais pas. Mais si je joue, je serai en off. Donc 7, 2, 3, 4, arrivé.
4. Ah oui, en plus c'est filmé. Pff, pas cool. Puisqu'on est plus que. Toujours 3. Laissez-moi passer. Nia. Voilà. On va attendre que toutes les bestioles meurent quand même. Je sais pas si je joue cet après-midi, je sais pas du tout. Ça n'a aucune idée. Je n'en ai strictement aucune idée de ce que j'ai prévu de faire cet après-midi. Le creepy, on va l'attaquer. Donc du coup, pam pam, je disais de 4, 5, 6, 1, 7. Si mes calculs sont bons. Ouais, bingo. Après-midi, je ne sais pas, mais je sais que après il sera mis en ligne la vidéo, enfin le live. Ça, j'en suis sûr. Franchement, je ne sais pas du tout ce que j'ai prévu de cet appartement. En tout cas, j'entends qu'il y a un zombie. Pour creuser un petit peu.
plus vite. Sinon, on va pas tarder à se stopper là. On termine en bas. Étage du bas, bien évidemment. On termine ici. Voilà, on va stopper là. Message Discord qui dit quoi? Welcome à toi, Quentin. Bien évidemment, chat serveur. Debo. Bon, on va pas tarder à se stopper, du coup, messieurs, dames, tac. On va faire cuire tout ça. On va faire... On va faire chauffer. Voilà. Comme ça, tac, on va boum, pum, puis pum. Cela, on va le terminer. Pour les prochains épisodes. Pour le prochain live. Là, pour terminer, on va. C'est pas on va, c'est je vais plutôt. Voilà. Ça fera pom pom, donc du coup dit pom pom dit forcément que là il y aura une porte, du coup bam. Est-ce que j'ai une porte? Oui ou non? Non, est-ce que je faut que je m'en fasse une? Oui. Voilà. Ce sera fium.
que ça fonctionne. Ouais, nickel. On va faire des allers-retours. Ah bah si, je suis pas bête. Ça va être chaud aux patates. Ah, je sais comment je peux faire. Je l'avais fait sur un serveur, ce système. Ouais, je l'avais fait. C'est que tendu. Hop, du coup. Boum. Boum. Donc là, on monte. Donc là, normalement, ça doit marcher. Enfin, fonctionner plutôt. Puis... problème technique ici. Allez. Voilà. Comme ça, porte, il y aura une porte là. Hop, voilà.
Merde, pas prévu ça. Tac. C'est pas bien grave, on va aller. On va aller du puisque comme c'est pas grave. Alors là lui, il va pas me casser les bonbons. Nia, voilà. Donc qui c'est le boss? C'est moi ou c'est pas moi? Hein, hein, vous allez me le dire qui c'est le boss. Après Pam. On y va du coup, tac. Hop, on y retourne. On va faire un petit testouille. Ça fonctionne, c'est bon. Du moment où ça fonctionne, ça va. Bon ben on va se quitter là, monsieur dame. Allez, sur ce, ciao, bye bye.